Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une vidéo de présentation, de mon Solex 3800 noir de 1971. Donc, je vais vous faire découvrir l'histoire de ce Solex et ainsi aussi le process de restauration. Allez, c'est parti. Donc, voici le Solex. Donc, un 3800 noir, entièrement restauré de A à Z par mes petits soins. Donc voilà pour l'histoire. Alors c'est un Solex que j'ai acheté en 2013, voilà, en 2013 pour une connaissance qui était un petit peu passionné de Solex, qui en avait un dans sa jeunesse. Et comme j'avais énormément parlé de ce Solex, je lui ai dit tout simplement pourquoi je n'en ferais pas un. Donc j'ai trouvé sur l'annonce sur Le Bon Coin pour en acheter un. Et cette occasion que j'ai acquis le Solex pour 200 euros, voilà. Bon, par la suite, il n'en a plus voulu, il s'est désisté, voilà, il m'a posé un lapin. Et donc, je me suis retrouvé sur la paille avec ce Solex, ne savant quoi faire. C'est seulement en 2017 que j'ai pris l'initiative de restaurer ce Solex. Donc, je vous laisse regarder les photos à la suite de cette vidéo et vous verrez la nette différence entre aujourd'hui et avant 2017. D'origine, tout est quasiment d'origine, hein, voilà. Donc il y a quelques pièces qui ne sont pas d'origine, qui ont été changées, notamment les leviers de frein, voilà, hein, donc c'est les leviers de frein neufs de refabrication, voilà, là et ici. Les anciens sont d'origine et ternis, puis au niveau de l'axe c'était usé. Qu'est-ce qui n'est pas d'origine aussi, la béquille, voilà, la béquille est échouée parce qu'il y a des pointes sur l'ancienne béquille qui étaient bouffées. J'en ai profité pour mettre les surpattes, voilà, pour éviter d'abîmer les pointes, ici et ici. Alors l'optique de phare aussi a été changée, voilà, j'en ai mis un neuf parce que l'ancien était jauni et cassé, voilà, donc ça avec le temps ça s'use. Alors on retrouve comme sur tous mes Solex le coupe-circuit à l'arraché, donc voilà, je le mets, voilà. Donc sur des Solex de compétition, c'est une sécurité. Et par contre, sur un Solex routier, c'est un anti-vol. Voilà. Alors aussi, une petite modification. Hein, le pot est d'origine, mais il y a juste une petite modification. Voilà. Le tube de fuite. Voilà, j'ai changé le tube de fuite et j'ai mis un gros tube de fuite complètement linéaire qui ne va pas vers l'intérieur, mais vers le bas. Voilà, un gros tube de fuite de 25 mm. Donc, comme vous avez pu le constater, il y a aussi un rechromage des pièces qui a été fait. Hein. Donc, toute la visserie a été refaite, le guidon a été rechromé, la sonnette rechromée, tous les éléments de direction ont été rechromés, le crochet aussi a été rechromé. Voilà, hein, les éléments écrou contre écrou, l'écu, voilà. Qu'est-ce qui a été rechromé aussi? Toutes les visseries, voilà. Même le tendeur et chaîne, les pédales, hein, même de l'autre côté, voilà. Ça a été rechromé, le pédalier aussi, les clavettes avec, les roues ont été rechromées, hein, la visserie on voit encore là, là, voilà, tous les éléments, les écrous de roues ont été rechromés, voilà, même les pédales ont été rechromées, voilà, 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 donc il y a eu un gros travail de rechromage, même le cylindre a été rechromé, voilà, et ça a été fait par l'entreprise Raclo SRL à Nogent, en Haute-Marne, voilà. Donc concernant la peinture c'est du thermolaquage, hein. Code couleur RAL 9005 brillant, autrement dit du noir brillant. Voilà. Donc je fais toujours du thermolaquage parce que ça c'est indestructible, garantie 10 ans, facile, et beaucoup moins cher que la carrosserie et beaucoup plus résistant. Voilà. Donc au terme de carrosserie, alors je vais vous montrer aussi qu'il y a des petites imperfections de... comment dire, du temps, hein, voilà, le réservoir à rayer, j'essaie de le rattraper, mais c'est pas évident, à moins de le repeindre, mais bon, je suis pas peintre, c'est pour ça que je fais thermolaquer, parce que je n'ai pas des talents de peintre, voilà, j'ai refait aussi de faire un peu l'inscription au relief, voilà, et puis on voit aussi des petites imperfections de cadre, là, comme une petite bosse renfoncée, donc, bah, j'ai pas voulu trop masquer, hein, je suis pas non plus carrossier, voilà, un petit renfoncement tout petit, là, voilà,
peux trouver, mais ça va globalement, il est plutôt en bon état. Hein, j'ai poncé les pièces avant de le refaire. Voilà. Et puis aussi les liserés. Voilà. Les liserés qui sont là. Là derrière. Voilà. Donc les liserés, c'est tout simplement du covering. Voilà. Hein, ça c'est beaucoup en automobile. Mais là, moi, j'ai fait faire du covering. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu aussi un changement des consommables. Alors tout ce que je consomme, vous avez bien sûr chambre à air, hein, donc les chambres à air sont neuves dans les pneus. Par contre, les pneus sont d'origine, hein. Enfin je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas c'est des pneus Michelin. Là, je ne sais pas si on le voit, mais là, voilà, ah ben là, on peut le voir là. Michelin, voilà, type Y cyclomoteur, voilà. Donc à l'avant et à l'arrière, c'est des Michelin. Les chambres à air sont neuves, comme je vous disais. Les gaines de frein ont été changées, voilà, elles sont complètement neuves. Hein. Les câbles de frein ont aussi été changés. Même le câble du décélérateur, voilà, moi j'appelle ça un décélérateur, ont été changés. Et les patins de frein sont aussi neufs. Petit détail pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a la petite plaquette d'identification de l'ancien propriétaire. Alors il est marqué A sous Sio, si je me trouve bien, ou Sourio, voilà, à Langres 52. Donc ça prouve que le Solex a toujours été en Haute-Marne et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y est toujours. Et pour finir, bien sûr, le Solex est immatriculé et assuré. Voilà, donc vous avez l'assurance et l'immatriculation. Donc il est tout à fait prêt à rouler. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir progressivement le remontage du Solex. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram ou qui n'ont pas Instagram, je vous mets les liens des photos dans la description sous la vidéo. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de mon Solex 3800 noir classique de 1971. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis en attendant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.